Ça s'est confirmé dans le Conseil des ministres, côté que Premier ministre Kaïkoni était présent avec tout ministère. Et puis, Conseil présidentiel était présent dans la ville d'accueil. Yo, à l'unanimité, attendez bien, à l'unanimité, pour me dire que tout ministre d'accord et tout conseil présidentiel d'accord, c'est Ramon Normil qui va remplacer Franz LB dans la police. Et conseil ministre a organisé jeudi mercredi, qui c'était 19 juin 2024. L'an. Yo accepté, yo d'accord. Pour que Ramon Normil vienne déchirer la police. Non. N'a pas rappelé. Ça fait pour une deuxième fois que Ramon Normil prend diriger la police nationale d'Haïti. Après que le film passé comme directeur central de police judiciaire, directeur central de police judiciaire qu'il était passé, et par la suite en 2020, président Jovenel Moïse a choisi comme directeur général de la police. Et notre si bouche l'ouvri que te gen avec Joseph Jout parce que mayonnaise a pas passé. Jout a pral prendre décision pour évoquer parce que Jout te dit que Rameau pas compétent. C'est ça que te dit. Et alors que l'ité clairement dit tout que DG Rameau dans l'époque là t'a demandé le matériel pour que te mené bataille contre question mandiamé. Est-ce que matériel que Rameau pas joine ça te fait pas ka bay résultat ou dis-moi est-ce que tu as le problème que nous pas te connaît en tout cas nous pas qui ça vraiment qui était à la base révocation là si ndachita sous ça ajouté dit yo nous te ka dit ces problèmes incompétents c'est on ça ajouté à les comprendre mais qui moun ka poser question qui moun qui pensait ta gen l'autre problème qui était existé entre PM Jout et puis Ramon Normil. Comme nous-mêmes, nous pas dans secret d'État, nous pas qu'à connaître exactement ça qui était existé comme problème. Mais en pile voix levée, il y a qui d'accord, il y a qui accepté retourner Ramon Normil à la police, mais en même temps, tout y a qui pas d'accord. En tout cas, nous allons regarder. C'est ça que je connais. Ramon Normil. Comme un technicien que lié. Et si je ne me pas trompe, qui fait partie 4e promotion de la police. Nan. C'est un mec qui connaît la police très bien. Et c'est un franc technicien. Si que je dis là, il a accepté de reprendre job ça pour une deuxième fois, c'est parce que moi pense qu'il était quoi? Que la cabaye résultat. Ou dis-moi ce que y a bal moyen pour que li capable bay résultat. C'est ça que peut moun penser. Et l'a dit clairement que Ramon Normil qui s'est pris le nouveau DG la police très bientôt parce que n'apprend que arrêté cap nommé Ramon Normil là. Li t'a ressorti mercredi dans soir et jeudi ça, yo t'a dû prendre disposition pour installer Ramon Normil comme nouveau DG la police là. Ramon Normil prête ensemble de moyens à de croix dans main selon ce que nous apprenons. Et pour que li capable mener bataille ça. Et pas oublier moi dit nous ça. Obligation fait avec Ramon Normil, chaîne commande la police là, ou état major la meilleur, conseil présidentiel là et gouvernement, conseil et présidentiel là ensemble, toute autorité ça yo gè obligation pour capable bay résultat dans tabli sécurité et permettre que la vie capable fonctionner dans pays. Et je dis hein haïtien dans pays haïtien qui dans diaspora yo tout gon seul bagay qui attend c'est sécurité c'est la paix dans pays pour pays capable fonctionner et pour que en pile là capable rentrer la caillou et pour que exploiter jeune c'est pas quitter Haïti. Elle pense que c'est États-Unis, c'est Canada, c'est la France, c'est l'autre côté, il a joué une solution. Alors que, si il y a des conditions qui créent en Haïti, il est capable de vivre dans le pays d'Haïti. C'est ça qui a besoin. Et ça qui a demandé. Je dis, hein, tout secteur, tout acteur, tout groupe organisé doit comprendre que c'est une nécessité. C'est une obligation à eux-mêmes. Pour que yo prenne toute disposition nan permettre que sécurité la paix établie en de pays.
et ça nous clair avec lui et ça nous sûr de lui désir venir. Je dis, hein, est-ce que nous capable à continuer compter sur question Kenya? Bien que qu'on délégation au niveau de la police non, qui trouvait dans Nairobi dans le pays Kenya, mais je dis, hein, nous pas capable arrêter tant en question Kenya. Nous pas capable apprêter tant en question de mission. Faut équipe qui là en place non, dégager le coup Jean-Jacques, bail moyen et permettre que gain sécurité qui établie dans pays. Nous clé sous ça. Pour la vie capable reprendre. Désir comment est mon frère? Ben, situation, c'est tout un plaisir. Nous comptons rejoindre, qu'on n'est pas en forme en dedans pays par rapport avec la situation qu'on a connaît. Je ne veux dire qu'il m'a dit au moins qu'il continue à garder, à analyser, permettre à nos amis internautes de comprendre plus bien ça qu'a décrit, ça qu'a dit, ça qu'a planifié sous nom peuple haïtien, mais en plus fois, décision n'est pas toujours collée avec la situation qui gagne. Mais nous-mêmes, nous là, pour au moins permettre, comme avant-gardiste, pour permettre que la population vive comprendre tout complot qu'a marqué sous dole sans les pas comprendre, sans le patrouet, sans. Ensemble, autorité, ou pas arrivé à comprendre que niveau conscience, tu as dû faire appel pour au moins ta route de CPIA dans sa qu'elle trouve. Gagné pour plus petit, 455 jeunes policiers qui étaient sortis dans la 33e promotion, police nationale d'Haïti, eh bien, qui intégré CIMO, ITAG, BLVV, BRI, BOIT, SWAT et Polyphon. Pour ne citer ça ou seulement, non, agent spécialisé ça yo, bien environ une cinquantaine de femmes qui décidaient, malgré les vents et marées, pour venir servir pays, pour venir aider la République sortir dans une situation difficile qu'elle trouvait, je ne veux dire. Cérémonie là a déroulé dans l'école nationale et police nationale d'Haïti, pardon, sous votre frère. Li déroulé en présence Premier ministre Gary Kony, président conseil et présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, ministre justice à Carlos Ekil, avec divers l'autre monde qui fait partie gouvernement et sans compter l'autre monde qui est dans la société civile là. Edgar Leblanc-Fils, dans la parole, il déclarait de pousser gang n'importe côté ou cacher la police à marcher contre la police pour aller. Sous visage jeune policier Silayo, qui a peine intégré ensemble corps et spécialisé en dedans la police en baisse personne, à travers divers chantés qui a chanté pour montrer qu'il n'y a pas peur. Il y a tout le monde qui a mis des coins, il y a marché prendre et n'est ça au criminel. Mais si c'est pour criminel, c'est octable et puis criminel parce que il prend formation pour ça. Monsieur Boyd Dio, renouveler engagement qui a été gagné. Il a déclaré si vous t'a main au Green Boy, ou mêlé et il a annoncé si vous pas tuer, pas rentrer dans Boy. Parce que il veut comprendre que comme ça, il a une mission spéciale, c'est pour permettre les cap semer des agréments surtout terroristes, cap tuer monde, kidnapper monde dans pays là, et bien monsieur Boyd Dio déjà annoncé yo pral bay monsieur Sayo mon impression bless personne en pile monde a posé question qui côté barbecue fait malgré le t'est annoncé il a pral plonger dans silence cimetière li et bien barbecue semblait plonger dans silence net par rapport avec ensemble opération que la police a mené dans Badelma semblait bagay yo pas tourner bien pour nom qui relé barbecue a gagné un ensemble de rencontres qui continuent à dérouler en dans pays à bless personne ambassadeur pays les États-Unis et Denis Hopkins t'est rencontré avec ministre Affaires étrangères pays Dominique Dupuis pour discuter sur ça qui vient pour avec mission sécurité qui a bien pour rentrer en dedans pays qui ça qui a faire ensemble pour rendre que mission capable yon réussite surtout dans pays d'Haïti bien qu'on connaît souvenir avec question mission yo pas jambe propre yo pas jambe belle yo toujours quitté en pile dégâts au sortir tout à l'heure une délégation qui quitté pays d'Haïti qui sorti dans gros commandement police nationale d'Haïti qui pratiquement allait au Kenya pour discuter. Collaboratène des Ivenes par rapport avec Sanlaptia clairement que pour nous garder ça par rapport avec ça fait ensemble de dispositions qui doivent prendre bon côté et autorité yo désir ou t'as pas avancé vous dédi. Gary Kony qui t'a participé dans remise par chemin ou bien certificat avec ensemble policier qui pratiquement intégré et corps spécialisé qui est dans la police, il fait quoi qu'il y a préparé policier psychologiquement et parler avec famille pour dire que c'est un sacrifice et yo pas pour continuer le sacrifice qui a fait dans diverses opérations qui ont pral gagner pour yo mener en dedans pays à les personnes. France LB définitivement perdu job li les personnes parce que li échoué depuis lors tout le monde t'est constaté dans film qui t'a je vous en remercie fait bandi al bouler
al piye Kylie pour démontrer que c'est lui-même li pa épanier des actes brouillards qu'a fait dans le pays. Et bien monsieur pratiquement li perdit job li. Département la Tibonite bagala pa extrêmement difficile, femme actif fi et grand monde tant que ti garçon petit a servi gang yo parce que situation paraît très difficile et c'est gang yo qui dirige yo fait ça ou vle ak ça hôpital côté diverses organisations a pleuré voir yo pour demander justice pour ça monde qui victime dans département la Tibonite. Recommandation moun yo dans département la Tibonite yo mandé pour chaque cadet retourner et on bon quantité dans policier si là yo qui pratiquement dans unité spécialisée dans 400 pour moi, vin dans le département de la Tibonite pour venir déraciner ensemble gang, cap bay problème yo blesse personne. Deuxième, c'est que ensemble de points ça qui pral fait débat sur yo, nous pral analyser en profondeur et pour nous permettre que avec chaque grain zami capable comprendre ça gela comme information et comment que situation gela en dans pays. Est-ce que gè de action ka poser? Est-ce que je dis an capable prendre ensemble de promesses bien que nous ka dit que José Mérilien monsieur déjà présenté un ensemble de faux pas que PM Kony déjà fait. Monsieur dit d'abord, PM Kony fait, il n'a pas fait qu'il fait. Et les que descend dans la ville avec France Elbeyan, l'ité al montre al fourni j'ai regardé que paysan et al regardé comment que mandio crasé en bas la ville là. Mais monsieur dit que c'est comme quoi que c'est les gars Kony descend en bas, mais mettre mandio déjà les mandio pour dire que mandio pas tiré non parce que et ami nous frère nous a venir en bas. Bon ça c'est ça qui dit bon côté je suis mérité parce que il dit que comment que il pas comprendre les que c'est ou t'as installé n'a pas prêté serment n'a pas les national c'est en bas coup de balle que ou même tu descend à prêter serment alors que Gaïko ni pral visiter en bas Linon Chablendi l'action tout en bas pas même mon cartouche qui pété même je dis là ça montre que à clair que hey c'est pas on faut pas cultailler c'est pas ta arrangement que Gaïko ni t'a a fait avec Andy Negam ça c'est parole José Mérilien. En même temps on a dit monsieur dit que l'autre faut pas que Gaïko ni fait. C'est le fait que les décider nommer propre avocat qui s'est mettre Carlos Hercule comme ministre de justice. Ça c'est parole José Mérilien. Il dit eh non, pas normal. Pendant que Kony dit que la Kembe ministère régalien et il décide de nommer on est qui s'est avocat comme ministre de justice. Ça veut dire là, c'est déjà contrôle ça que lui-même dit tout gain en bas même. Et les avancées de l'autre, il faut pas encore. Et je pense que dans reste émission, ou dis-moi que dans mi-temps émission, nous revenons avec ça qui dit bon côté José Mérilien et ça qui dit bon côté ensemble de acteurs parce que Rosemont Jean, monsieur Dépati à PM Kony et avocat Guy Philippe, mais lui cher Jean-Joseph, monsieur a déposé en plainte journée jeudi là contre PM Gaï Kony dans niveau la justice journée mercredi 19 juin concernant les usurpations de titres selon ça qui dit bon côté mais lui cher Jean-Joseph. Nous pourrons venir avec ensemble de déclarations ça yo, nous pourrons analyser yo, nous pourrons garder yo pendant ce temps de venir avec Edgar Leblanc fils dans graduation 454 policiers, mais qui pourrait faire partie de différentes unités spécialisées, Boyd, Simo, et Bri, et Swatim, qui pourrait contre carré Axo Bandio, dans le jour qui a venu la Yosami Internaute. Nous pourrions venir avec déclaration, Edgar Leblanc fils, dans l'occasion cérémonie, graduation, nouveau policier, ça pourrait faire partie, ça ne relève, unité et spécialisée. Entendez, Edgar Leblanc fils, et après ça, n'a pas payé M. Gaïkouni. Je viens avec Edgar Leblanc fils et Désir Venesse. Et puis après ça, vous venez ensemble avec PM Gary Kony, les mêmes tout qui les visité, car il peut avoir la même journée qui c'était mardi 18 juin. Je vous en remercie. Au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre, je dis à nos récipiendaires, bon travail. Succès continue. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président du Conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité et spécialiser la police là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui se prend bonne formation dans affaires combat gang pour libérer pays de mauvais pichons Sayo qui fait population mal vivre et spécialement dans zone capitale là et quelques villes en province
notamment dans la zone Latibonite. Cérémonie ça gagne pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, li traduit volonté nouveau gradué sa yo pour yo combattre jouk nan bout gang exam yo tout côté yo. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition by tête li. Déraciner insécurité dans pays a. Association malfaiteur sa yo qui pensait yo cap détruire nation par 6. Yo pas gagné aucune chance. Y a joine bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aide pays à bataille contre malfaite. Conseil présidentiel là, la tête collée avec gouvernement a metté toute unité spécialisée dans la police là dans condition matérielle, psychologique pour combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout monde dans tout quartier capable circuler libre et libre dans tout pays. Ça veut dire l'État a pris bon gens disposition pour ça, ni dans le budget pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décidaient d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clair dans la détermination du Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation, bonne qualité élection, arriver dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans le finissement année 2025. Là. C'est deuxième élément dans le gros engagement. Conseil présidentiel transition en gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tous participants, c'est garantie pour stabilité politique, économique et sociale établie net allez, et puis permettre institutions démocratiques de fonctionner pour bien-être général de toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyant jeunes policiers qui ont gradué matin, nous engageons volontairement en connaissance gros risques qui gagnent même sous la vie nous pour nous défendre le pays, lever escape figure, pour nous protéger et puis servir la population si tout l'elle sentit le danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi je veux dire nous, moi je veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration l'État qui l'a. Sous direction Premier ministre Kony à Conseil présidentiel transition accompagner nous dans toute opération nous pral mener pour déraciner gang exam yo. Nous pas jambe pour compte nous. M'a répété nous pas jambe pour compte nous. Nous même policiers ensemble ak nan la MEA nous gagnons même mission avec gouvernement à Conseil transition. Fini ak brigandage et sécurité kap détruit pays a rétabli l'ordre ak la paix pour population recommencer vivre nan kè posé kè content tout partout sur la terre bénie pays d'Haïti. Administration Kony ak conseil présidentiel transition ap mette ensemble en pile ap mette accent en pile sous affaire intelligence ak renseignement pour permettre nous bien réussir opération nous pral mener yo ak objectif zéro mort nan kampanou. La penche tout avec recommandement la police là sous l'autre problème institution a gagné pour permettre agent yo gen plus confiance nan tête yo nan commandement yo. Chaque policier doit sentir fier de travail li. L'année prochaine nan occasion célébration 30e anniversaire création police là, c'est pour population rendre nous hommage Jean nous mérite ak chanter ak cadeau ak fête remerciement. Voyant agent PNH k'ap gradué matin pas jamais oublié nous besoin appui population pour nous réussir dans toute opération nous pral mener yo. Mariage la police ak population c'est garanti résultat sans dit peut-être toujours chercher confiance population
c'est ça qui a bonne solution finale là. Mesdames, messieurs, moi pas cap fini causer matin sans dire bravo, sans envoyer un coup de chapeau pour toute responsable formation 455 jeunes policiers qui a recevoir certificat au matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Voilà, ça c'est président conseil présidentiel là, c'est Edgar Leblanc fils des Ivenes. Au du bagay. Très bien. L'invitation. Voilà, où senti Edgar Leblanc fils du grand discours. Autorité et chef à la fois. Moi-même souhaitais que c'est pas des promesses pour encourager policiers yo dans combat qui au pralé et puis après les fin rivé dans combat ou même autorité ça yo dans conseil présidentiel transition à travers gouvernement abandonné. Parce que nous promettons que n'a pas accompagné yo pour préparer psychologiquement parce que plus gros problème non depuis tête là gain problème la difficile pour escorter actif en pile policier yo yo gain problème psychologique les personnes yo gain problème ça parce que il y a imaginé avec frère Damio qui allait dans opération malheureusement qui victime qui pas tourner la caillio pendant pas tourner et puis petit yo avec madame yo a passé misère. Le nèg a déplacé là dans opération, l'a imaginé lui-même. S'il tombe, est-ce que ça va pas arriver pour petit fille avec madame ni et famille maman le papa? Si monsieur Damio, le conseil présidentiel transition estime quel important, l'innécessaire pour bail appui avec policier yo dans tout ça qui ont besoin parce que jeune garçon ça yo qui a une volonté. C'est volonté qui témoigne. 455 20 garçon avec femme ça blessé personne. Pour ça qu'a passé dans la police. Genèg qui était en dedans académie en dedans école nationale et police là yo t'a quitté espace yo t'a continuer processus yo t'a continuer pas courant parce que yo t'a privé comprendre que bagarre la pas douce yo agent mouri pas grand qui rivé fait et yo gardé ensemble autorité qui en dedans pays a c'est sous force internationale que yo mettez espoir yo quitté la police là yo traité en petit parent pauvre moi même quoi que mon grand homo Edgar Leblanc fils dans cadre conseil présidentiel de transition qui c'est premier président dans sa qui lié avec présidence tournante là comme c'est sous lui monsieur Damio et recevoir certificat pour venir dedans unité spécialisée que au moins gain matériel et connaît gain matériel qui disponible pour monsieur capable de travailler parce que plusieurs blindés on pas quatre blindés que ambassade remettre on pas quatre matériel individuel que remettre avec policier et moins bon côté policier ça tout qui à peine a sorti en blessé personne il était dans institution déjà dans unité spécialisée il a déclaré yo pral marcher sous bandi yo blessé personne. Je dis à désir. M'pas souhaité que conseil présidentiel ça yo que nèg yo rete dans question promesse toujours. Parce que peuple haïtien gen longtemps la prend promesse nan main au dirigeant yo. Et go baga ou di ki clair. Gou policier 455 policiers gradué ça yo. Qui pral faire partie différents unités spécialisées yo c'est parce que yo gen volonté yo vle que gen un petit morceau sécurité un petit morceau la paix qui établi en dans pays sinon jeune garçon ak jeune femme sa yo pa ta ka offrir tête en l'holocauste pour al faire partie unité et spécialisée des sa gen la comme problème nan on me dit me sauver. Si police administrative yo pa ka rezoudre li parce que yo pa gen formation pour ça. C'est des unités spécialisées qui gen formation pour ça. C'est yo même capable mener opération. Et jeune garçon et jeune femme ça yo décide prendre engagement pour que yo capable yo même al agir. Ki donc je dis ni conseil présidentiel ni gouvernement koni nan. Nous pas que pour nous rete nan face promesse encore. Comme Edgar clairement dit que y a campé avec policier yo matériel, y a campé avec policier psychologiquement, mais que yo fait respecter ça yo di. Parce que en sérieux désir. Qui sont pral di policier Utah yo et toute l'autre unité yo les que yo gade depuis 12 mars 2021 yo gen coffre d'amio qui nan men bandi an dan village de Dieu pas jamais gen aucun effort qui fait pour que yo ta récupérer cadavre sa yo
qui sont 10 policiers qui eux-mêmes, a gardé jusqu'à présent, cadavre Damien dans mes bandits dans sa vie. Ok. Et Vinjouen, Métivier, et dernier en datant là, c'est sans fil de ma 18. Allez-y. Si y a de jeunes, si y a de policiers qui décident d'engager yo, malgré ça qui a passé là en dans la police, non? C'est parce que policiers ça yo, yo qui volonté, yo vle, yo besoin de support matériel. Il y a besoin de support et psychologique en cas de gaiement pour qu'il soit capable de faire des résultats. Et il veut les gommer, il veut les gommer. Et je dis toujours, dès que c'est pile million ça pour Kenya, pour Mission Kabini, pour que ça va faire la police, on met moitié la donne. On met bon jeu matériel et on met un fonds qui est disponible dans ce moment-là pour que les policiers soient capables de mener l'opération. Puis assurer que il y a un fonds qui est disponible pour eux. Si que y a une opération, il y a un résultat que vous connaissez en route, mais c'est qu'il y a pour vous. Je vous dis à moi, c'est que, il faut que vous volonté ça. Ce n'est pas faire bel discours. Parce que, je vous dis, peut-être pas faire un bel discours encore. Parce que nous prenons trois belles paroles anesthésie qui va jamais faire un résultat des événements. La situation est un aspect que Edgar Leblanc a gardé dans le discours. Il y a encore qui est important et nécessaire qui ne va pas passer sous lui. Question renseignement en dedans. Police nationale d'Haïtien pour permettre que l'opération réussisse avec facilité, qui va permettre bataille, infiltration, réseau criminel, c'est important. Parce que c'est renseignement qui va permettre que l'information ait besoin de policiers à temps, mais on va aller dans l'espace pour qu'on qui configuration que l'espace a gagné, qui comportement bandit a gagné dans l'espace là. Moi-même, je crois que, les Edgar Leblanc-Fils, comme président, conseil présidentiel là en moment, si a pas accompagné policier dans sens ça qui permet de gagner renseignement pour mener opération et zéro victime dans camp policier pour toute victime yo al dans camp bandit moi même prend ça au mot et après tonne pour mettre ça pas été dans discours tout simplement pour passer à l'action qui cabrer que citoyen yo va avec activité dans divers axes en dedans pays parce que nous yo pratiquement fermé en dedans prison la caillou par rapport avec situation difficile que bandit créé en dedans pays avec situation. En nouvelle avec PM Gaïkouni comme chef CSPN et le premier des policiers qui lui même tout est parlé dans l'occasion en dedans PM Gaïkouni les mêmes qui déparlent, comme dans l'occasion, occasion de graduation et 455 policiers, et jeune dis, Koni, c'est premier policier, chef CSPN, qui c'est conseil supérieur police nationale. Je vais inviter notre DPM, Gaï Koni, les mêmes qui déparlent dans l'occasion ça. En tant que DPM, Gaï Koni. Le peuple haïtien place leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale. Que vive la République et que vive Haïti. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez discipliné et restez concentré. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République.
Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez discipliné et restez concentré. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez discipliné et restez concentré. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Désir, parole, PM Conny. Très bien. La situation. Gaël Conny n'a disponible dans l'occasion pour faire graduer 455 femmes et garçons mêlés à femmes qui pral bataille. Dans l'idée pour retirer le pays dans la situation difficile qu'il trouve là. Tant comme te dit tout à l'heure, moun sa ou moutre, yo se de sacrifier, yo sacrifier vie yo, tant kou Gaël Conny répété dans le discours là. Pour yo pratiquement vin permettre moi-même ou même nous gain sécurité. Je dis ya, yo pratiquement besoin support population dans tout ça que yo pral gain pour yo faire. Développer synergie police population, permettre que population gain confiance dans yo. Nous croyons que c'est plus bon moyen qui permet de faire un résultat qui a bien pour le bail là. Selon Gaël Conny, il estime que monsieur est capable de résoudre le problème qui est là. Mais pour nous, l'épée qui prend Dieu sous tête pays, c'est responsabilité. Conseil présidentiel transition, chaque personnalité qui la donne, qui d'accord avec Vini, une mission en dedans pays qui pour venir faire face avec la crise qui a bien là, l'entendre volume l'argent qui déjà dépensé pour rejoindre. Pays Kenya, qui pratiquement a tout arrangé là pour aller vers l'émergence de développement avec problème bien en Haïti. Pendant que les Haïtiens, il y a des situations qui sont très difficiles. Les policiers ont toujours trouvé une situation qui est extrêmement difficile. Il n'y a pas de bon machine dans le commissariat. Quand il a dormi, pas répondre. Je dis, on t'a dit, ouais, pendant l'agence, ça va débloquer. Mais qu'il y a qui mise en place qui fait l'ensemble du commissariat? Qui a encouragé les policiers pour un bagage qui a planifié pour tout? Parce que pas qu'à voir l'argent pour officier Kenya qui a poulé dans farine pour vini et puis commissariat qui rete pas craser qui pas bouler rete en plein incident ou pas entendre qu'on dit mais ça qui gagne comme supplément non ça qui gagne pour avec prime de risque pour policier qui pral dans combat on garantit ou blesse personne il y a goumé en pile malgré nous ouais policier montre robot fixe mais li besoin que autorité qui dans l'état arrive comprendre que policier pral bataille yo pas robot. Il y a pratiquement un paquet de familles qui a prétendu pour le puis bon accompagnement dans ce que vous avez dans la mission, opération que vous avez dans divers espaces criminels. D'ailleurs, démonstration qu'a faite dans Badelma, lui montrer que la police est capable de situation. C'est un fief
réseau criminel vive ensemble, direct 3, réseau criminel vive ensemble, non. C'est là que la police dit qu'elle est en otage depuis plusieurs jours. Pour jusqu'à présent, ouais, moun se plein, moun ki an da plein, ça veut dire que l'opération n'a pas avancé. Nous devons continuer à assurer responsabilité nous, dans bien accompagner policiers nous, militaires nous, pour capable avancer. Félicitations avec nouveau ministre de France qui veut comprendre que militaire pas doit être détaché avec vagabond qui dans politique. Il pas doit continuer à détacher avec petit vagabond qui dans secteur privé des affaires. Il pas doit continuer à détacher avec on est qui ministre, on est qui directeur général. Pour le peuple a souffri, il a demandé avec Jodel Lesage pour prendre responsabilité pour mettre monsieur et dame qui dans l'armée en condition de combat pour aider résoudre problème terroriste urbain ça qui en pays en situation. Je dis à l'éclair que comme monsieur dit que à partir de semaine qui a venir là et peuple haïtien va commencer avec ici qui va joindre bandi armée yo. Nous souhaitons que gonsial tout bon cal joindre vrai. Parce que je dis hein nous dit ça. Peuple haïtien pas prend promesse encore. Peuple haïtien bouquet prend promesse. Ariel te pédé rete toute la semaine jeune a pédé parler dans radio, pédé parler. Jusqu'à ce que le pas jamais fait 1 à 32 mois là. Li fait oui parce que pendant temps là commissariat casé plus policier boulé mouri tout plus monde kidnappé, ça veut dire Ariel fait vraiment. Et bilan Ariel là c'est bilan positif pour lui-même avec petit clic client. Mais c'est pas bilan peuple haïtien. Oui. C'est pas bilan peuple haïtien, c'est bilan Ariel Henry. Qui donc jodi an moi dit et m'a prédit. Conseil présidentiel, conseiller, gouvernement que Konya a dirigé, et nouveau DG qui a pris la police, là. Ou état-major la meilleure, obligation fait à nous-mêmes pour que nous baillons résultat, pour nous permettre que sécurité établie en d'un pays. Parce que nous dit que nous cabaye résultat, nous dit que n'a permettre que la paix établi, nous dit que nous pourrons organiser élection et l'éclair. Pour nous organiser élection, ça n'a pas l'air là, faut gain sécurité. Sinon, comment on va mettre bureau de vote, comment on va mettre bec, comment on va mettre bête, comment on va mettre centre de vote, comment moun ki pral nan campagne comme candidat et comme candidat pral faire campagne, comment moun ki pral voter pral faire arriver voter. Et donc je dis hein, c'est une obligation qui fait à nous-mêmes pour que nous dégager nos commerces Jean-Jacques et permettre que sécurité établie. C'est pas une sécurité pépé non, c'est une sécurité durable. Parce que récemment Koni te dit objectif développement durable ODDO qui est un ensemble de grands axes à la donne. Et dans tout axe ça yo, avec qui axe que gouvernement veut commencer. Et nous voyons que c'est focus sur question sécurité, c'est priorité dans tout bagay. De tout ça, nous dit là honnête, si pas de sécurité, je ne peux pas faire des amis internes. Tout ça, nous dit là honnête, depuis pas de sécurité, je ne peux pas faire. C'est laver main et sur la terre. Désir, Gaïko n'est pas seulement participé non, graduation jeune saio pour qui pral intégrer différentes unités spécialisées yo, mais Koni tout est participé nan San Gabrielé, il t'a fait visite nan local KEP en Pétionville, conseil électoral provisoire là pour chita parler avec technicien cadio pour voir qui ça gagne comme problème, qui ça a besoin, qui ça pral faire parce que avant longtemps, yo pral mettre campé San Relé machine électorale en sous pied. Nous pouvons regarder ça et ça connaît des dit et connaît encore montrer que sans sécurité, il n'y a pas d'élection des Yvonnes. Nous pouvons regarder ça comme ça avec Zamio, puisque connaît montrer clairement que, oui, question sécurité en d'un pays, il n'y a pas de petit et il connaît en pile pour que ni connaît avec toute équipe liant qui a dégagé pour y avoir un résultat. Et moi-même, peuple haïtien, si là qui dans la diaspora, c'est lui qui a besoin, c'est lui qui a besoin. Et Mbaba nous menti, sans sécurité, tout ça cap dit là yo. La prité de parole en l'air, la prité de faux promesses des événements en dedans des gars connus. Eh bien. Nous devons faire un cadet. Comment va yoye? On tient pression
point de départ nous garder pour comment qui base nous gagne pour nous commencer à réfléchir et travailler. N'a pas songé que l'encadre accord politique qui mettait gouvernement de transition conseil présidentiel avec premier ministre là, nous l'engagement nous prend c'est qu'il faut absolument que nous avancions vers des élections honnêtes et crédibles. C'est pour aller une grosse pièce que nous avons pour nous travailler pour lui. Évidemment, nous avons pour nous construire un consensus national autour de Jean Nouvelet Fell et de côté Nouvelet aller. Mais il est absolument nécessaire que très vite, nous sommes capables de gagner des élus dans tous les côtés qui sont dans le pays. Évidemment, CEPA pour aller une pièce maîtresse, un instrument central. Donc, le visite, je dis, c'est pour nous faire un signal très clair que ça pourrait être un élément que nous pourrions passer en pile, tant pour nous assurer que la marché, Jean pour le marché. Évidemment, nous allons au premier moment, côté NAPC, il y a des consultations très larges avec toute partie prenante pour nous assurer que la population publique, la partie politique concernée par le processus, a bien impliqué et a participé à baider comment nous voulons avancer. Nous allons assurer nous tout que, évidemment, CEPA a les moyens qu'il faut pour qu'on fasse un travail de qualité et nous allons assurer que toute population lui-même lui sent qu'il y a une confiance dans le processus que nous allons mettre sous place là. Donc, en gros, c'est ça le sens de la visite. Peut-être nous avons temps pour deux ou trois questions, si nous avons une question. Autrement, nous avons dit, monsieur Damio, merci beaucoup. Et puis, ça, c'est le premier d'une série de rencontres et de conversations que nous espérons nous avons dans les prochains jours. C'est exactement le genre de difficulté que nous allons obliger de joindre des gens pour nous gérer. C'est l'équipe technique, aujourd'hui, m'a demandé de commencer à réfléchir sur le type de problème ça a. Pour qu'ensemble, nous cherchions des solutions pour eux. Ce que je veux dire de l'expérience PAM dans l'élection à travers le monde, c'est que la mécanique électorale a gagné des moyens et technologies pour nous deal avec ce genre de situation. Ça, ouais. Nous ne sommes pas les premiers. Nous obligés à considérer le processus là, nous obligés à considérer le bonheur le processus là, et nous obligés à mettre en place une série de stratégies et d'instruments pour nous capables d'adresser eux. Mais nous sommes le premier pays qui a fait élection dans des conditions avec cette difficulté. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour qu'ils soient un bonheur, pas oublier que le gouvernement est installé jeudi, où il y a une première visite que j'ai fait, c'est là. C'est parce que justement, je suis conscient du fait que si nous voulons respecter le délai que nous avons pour nous faire élection, il faut commencer à réfléchir sur le type de problème ça a eu. Il faut commencer à adresser et faut commencer à avoir une solution pour eux immédiatement. Donc, c'est exactement ça que nous venons chercher. C'est ça seulement que je voulais dire, mais nous avons tant de dialogue sur ça, au fur et à mesure que l'équipe technique a besoin exactement avec une présentation de complications gagnées et puis des propositions de stratégie. C'est une grosse urgence. Et nous déjà initié une série de discussions préliminaires, évidemment. C'est des débats qui vont continuer. Rappelons encore une fois que c'est jeudi seulement depuis nous prenons. Et nous avons le premier conseil des ministres, en fait, demain. Mais c'est des débats que le conseil présidentiel a avec nous voulait traiter en priorité. Et je suis vraiment confiant que dans les prochains jours, en tout cas, très très vite, nous avons une réponse concrète à la question ça. Comment, qui est constitution conseil électoral là, qui est essentiel, évidemment. Élection certainement nécessité un climat de sécurité. Un climat de sérénité, exiger que nous arrivions à recontrôler l'espace côté population à vivre et côté libre pour le voter. Donc certainement, question de sécurité a son urgence majeure, nous comprenons. Nous n'avons aucun doute sur lui. Plusieurs centaines de milliers de monde déplacés. Et même ça qui n'est pas déplacé, dans le contexte qui a vivre là, c'est très difficile pour faire participer si vous n'avez pas de sérénité. Donc la question de sécurité, nous faisons ensemble de bagailles déjà. Je fais plusieurs réunions avec les gens qui sont responsables de la sécurité. Je fais plusieurs réunions avec les gens qui sont responsables de la justice. Je fais plusieurs réunions avec les partenaires nous, pour nous comprendre comment ils sont, côté ils sont, l'encadre d'assistance et accompagnement que ils doivent à nous. Ça m'a dit nous pour sûr, c'est que nous n'avons pas avancé. Évidemment, il y a des détails, nous comprenons pour qui ça ne va pas rentrer là-dedans. Mais m'a dit nous que depuis l'entrée, c'est une question que je passe le plus de temps sous lui. Et vraiment, je confiant que dans les prochaines semaines, nous avons quelles sont les dispositions nouvelles que nous prenons pour nous capables d'assurer la sécurité. À profiter de dire nous, parce qu'on pose des questions. Nous, excessivement contents que
amis nous, partenaires nous, paysans nous, vraiment décidé pour nous avoir un accompagnement dans la question sécuritaire. Son appui que nous apprécions et que certainement nous attendons. Nous pas oublier non plus que question sécurité pays nous, c'est responsabilité pas nous avant tout. C'est responsabilité police nous, c'est responsabilité l'armée nous, c'est responsabilité citoyen nous, c'est responsabilité l'État. Donc en même temps que nous avons discuté avec la communauté internationale là, sous disposition que le cap prend pour l'accompagner nous, nous avons travaillé en pile avec la police et avec l'armée pour nous renforcer la capacité policière, les soldats nous, pour nous voir comment nous-mêmes nous pouvons reprendre en main propre sécurité par nous tout. Et ça, son point que je ne vais jamais oublier. Tous les jours, nous avons des milliers de policiers qui ont sacrifié la vie, qui ont risqué la vie pour nous protéger. Nous. Et encadrement, ça, c'est important. Et ils ont impliqué dans la décision qu'ils ont prise. Ils ont impliqué dans la réflexion qu'ils ont prise sur humanitaire, élection et recouvrement. Ils ont impliqué dans la réflexion stratégique qu'ils ont fait pour nous rebâiller la population en sérénité. Donc ça a tout son pièce importante de solution au problème. Là. Ça fait un bon petit moment pour me dire nous ça, c'est parce que nous, pays, c'est pas nous lié. C'est pour nous lié. Pas tant nous à ce que M'chita m'ritane. C'est pas tant pour nous. Et m'kote sur nous toutes pour nous faire tout ça, pour nous faire nous-mêmes pour nous reprendre le pays. Mission a pas avancé de bon train. M'ba là avec le président Kenyan en téléphone. M'ba là avec partenaires. N'a discuté sur comment nous avons fait pour nous créer conditions pour ça. Mais reprise pays nous, c'est pas nous. C'est pour nous lié. Et faut nous aider bay message ça. Faire élection c'est pour nous. Mettre élu c'est pour nous. Reconstruire pays nous c'est pour nous. Chita Riton, c'est pas dans temps haïtien. C'est vrai. Chita Riton pas dans temps haïtien, mais Jean Bagala est là et bon c'est que faut que plus travail qui vous fait pour ça. Parce que oui pays c'est pays assez pour nous. Mettez élu c'est pour nous, nous d'accord. Parce que je dis à nous d'accord que faut nous on faut yo renouveler personnel politique yo. Nous d'accord tout ça cap dit yo. Mais je dis en tout sécurité à son affaire la police, j'aime je dis là. Son affaire l'armée, son affaire population, sans affaire l'État, mais m'a dit c'est l'État d'abord qui gagne en balle la police, qui gagne en balle et l'armée et population. Population a collaboré avec la police. Nan balle bon gens information, nan aider le dénoncer bandi armé yo. Et yo même tout nan prend de disposition pour empêcher que bandi vienne envahir zone yo. Mais vraiment, li revient à l'État pour que li garantit droit à la vie. Doit à la sécurité. C'est l'État qui a monopole violence légitime. D'ailleurs, on a songé que les peuples ont lancé la question de Bois-Calé. Ariel Henry était écrasé à Bouchli. Elle a dit que les gens ne sont pas tous pour la police. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'État reconnaît que l'État, la, à travers la police, c'est l'organe qui est chargé pour la sécurité dans le pays. Oui, les peuples ont aidé l'État. Peuple n'a qu'à aider la police, peuple n'a qu'à aider l'armée, parce que pour être capable d'avoir bon information et pour créer symbiose là, pour créer mariage qui peut exister entre la police et l'armée, ok? Mais cette histoire comme si que c'est peuple qui prend le devant, non non, peuple n'a pas qu'à devant, peuple n'a pas qu'à devant, c'est l'État qui a obligation pour devant. Nan bay la police à moyen, nan bay l'armée à moyen pour y résoudre sa guerre comme insécurité des Ivoiriens. Problème insécurité, c'est problème tout le monde, tout secteur, quel que soit rang que vous avez trouvé, non quel que soit groupe que vous avez trouvé, c'est pour ça que c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble les situations pour résoudre le problème insécurité qui nous fait face à ça. Mais qu'on y a, faut que nous gardions l'autorité au danger. Surtout nous-mêmes qui n'en fait plein. Si nous avons victimes qui ont connu des situations qui sont extrêmement difficiles, faut que nous apprenions l'autorité au vint de la responsabilité. Commissaire du gouvernement, juge, policier, notable qui dans la zone. Politiciens yo, nous tous nous devons connaître, nous gen rôle pas nous pour nous jouer. Média yo, nous gen rôle pas nous pour nous jouer. Chauffeur, propriétaire de véhicule yo, nous gen job pas nous, nous gen rôle pas nous pour nous jouer.
ou cap changer directeur police nationale d'Haïti ou pas gagne pièce résultat qu'on cap joindre parce que pas oublier c'est même administration ça qui est important quel était premier ministre Garry Conille le premier des policiers parce que c'est président CSPN conseil supérieur de la police nationale c'est lui-même qui président CSPN là il y a une responsabilité comme premier des policiers non accompagner policiers pour capable résultat que peuple haïtien souhaite il y a pas gon baguette magique non mais yo je pas capable résultat avec une baguette magique là m'a parlé des policiers yo si policier a gen zam li pa gen balle li pa ka bataille si policier a gen zam li gen balle li pa gen bonne information il va préparer tout ça bonne information li pa ka affronter terrain bataille là pour résoudre le problème de sécurité urbaine, yo, moi dit ça la plusieurs fois et m'a continué dire li c'est question la science li c'est technique li c'est formation li c'est information moi quoi monsieur ça fait sortir là yo gon technique enragé que vous faites ce plan, il y a pratiquement à peine des sciences là dans mais qui pral besoin des experts qui fait étude, fait expérience dans résolution, dans résoudre problème de guérilla urbain ça et puis il y a qu'à atteindre avec objectif que vous gagnez, qui c'est pacifier pays d'Haïti dans ensemble espace côté gang criminel yo tabli quartier général yo. Et les ça, il besoin participation masse là ou participation populaire. Nous pièces nous pas sans savoir. Blesse de parler de ça là. Regardez avec nos questions. Bouakale qui était lancé dans le pays. Il commence à prendre des et puis, sans entendre, tout pays a répondu à l'appel. Pourquoi en pile, nous avons témoigné. Nous avons dit qui ça que le phénomène Bouakale a été fait. Il te permet que peur a été changé quand. C'était Bandio qui était peur. C'était vous-même qui t'a prêté la caillou. Parce que tu connais. Toute fois que vous sortez, le peuple a mis les mains sur vous. Il a rachonné vous. Il a mis du feu sur vous. Parce que il y a. Rendre que nous connaissons des situations très difficiles depuis un bon bout de temps. Mais malheureusement, Nations Unies te mettent bouche dans la bagarre là. OK? Par le représentant qui était dans le pays, qui te dit pas normal pour les aucun bébé dit, pour y faire exécution, pour y tuer comme ça. Et Ariel Henry, te demande Mounio, puis qu'a ou fait boussal, malgré yo connaît que Bandi a fait boussal avec les Parisiens. Dit clair, Ariel Henry était affiché, il te dit que c'est lui-même qui chef gang, c'est lui-même qui permet que gang a théorisé dans le pays, Ariel Henry. Pas là encore. Est-ce que pendant Ariel Henry pas là, il pas fait passation avec beaucoup de qui vient là, nous pourrions essayer donc de vérifier volonté qui gagne bon côté ou dans résoudre problème là. C'est pas dans discours tout simplement, mais c'est dans poser action yo. Je dis en la situation nous pas besoin trois leaders parti politique qui exiger pour élection faite parce que yo tout dans on là, yo tout y a manger, yo tout y a petit job yo dans mais yo tout y a ministère dans mais yo tout pour aller direction générale yo dans mais yo tout pour aller et délégation départementale dans mais. Je veux dire, c'est nous-mêmes comme peuple qui pagaient un yen en menou, ça que veut jouer dans la sécurité. Si nous pagouons pour nous joindre, c'est nous capouel, c'est nous pour le payer. Je veux dire, pays Kenya, après William Ruto, fin arrivé Washington DC, l'a rencontré avec Joe Biden, il était déjà recevoir un paquet de donations parce que il était tout simplement d'accord pour officier Kenya vivre dans le pays d'Haïti, c'est 109 millions. Dollars vert coupeau que l'administration Biden a débloqué pour le pays Kenya. Pour question, mission ça qui doit venir. Il n'est pas oublié qu'il y a une délégation qui allait au Kenya. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une délégation dans le commandement de la police nationale d'Haïti à au Kenya. Chaque temps, il y a des garanties qui sont venues. Et puis, autorité dans le pays Kenya a passé dans la bêtise. C'est soit entendu qu'il y a groupes d'opposition qui ont tenté en justice. Contre décision si là pour dire non qu'elle pas respecté constitution pays yo. Bon est-ce que pas gain droit m'a dit oui que gain droit en tant que citoyen en tant que monde qui a veillé respect ensemble institution régalienne ensemble ça qui gain pour avec loi en dans pays yo nous d'accord mais kounya président William Ruto dit pas pour il pas attendre monsieur yo a vini dernier coup de tuer coucou c'est le Rachel Ruto madame président William Ruto en communication avec barbecue, les chefs criminels dans le pays. Et ouais, même William Moutouatou continue à passer dans la bêtise. Les on connaît que les pays d'Haïti sont sacrés. On est sacré qui te prend indépendance sous bataille. Sous bataille. En bas coup de zam. Avec l'habitation et la cour. Si on t'avait connu, on t'avait questionné le département de la Tibonite, les trois la cour.
cérémonie Wakayama, c'est que tu bail indépendance avec pays. Nèg la dit ou comme ça, il a venu attaquer problème. Yo contacté secteur religieux en dedans pays yo pour faire prière pour Haïti. Bah un problème avec personne qui gain foi chrétien qui peut-être coincé dans la prière qui ça cap sorti. Mais songe même Bible que nous quoi là-dedans là qui dit nous pour nous prier, prier avec la foi et puis agir différent. Je dis à nous-mêmes comme peuple, n'a prier, nous devons agir différent qui permettre au moins que nous sortir dans la situation qui est là. Personne pas venir retirer pays d'Haïti. Moi dis personne pas venir retirer pays dans sa lière. Chaque monde a venir fait profit, il y a venir tirer des intérêts que vous gagnez. Peut-être c'est comme ça qu'il va venir prendre par l'intermédiaire de monde que vous mettez là. Mais eux même comme peuple, vous quitter au point au filet de aller pas gagner crédit pour si monde yo toujours pas calé l'école ou toujours dans les sécurités. Yo toujours a violer petit tout, yo toujours a kidnapper petit tout, yo toujours a détourner camion marchandise, yo toujours empêcher aller dans marché à boire ravitailler. C'est prendre responsabilité en tant que peuple qui permettre que nous soutenir ça. Tout simplement blesse personne, si c'est pas ça peuple après aller en couille direct. M'en venir avec mais Lucien Jean-Joseph qui c'est avocat Guy Philippe, j'ai dit hein, monsieur qui décidé à porter plainte. Et d'abord je me suis dit pour un volume bâton, des bon volume bâton enragé. Peut-être battre sur un peu, pas question sérieux, mais monsieur parlé et en réalité des monsieur et puis si le fond qui a tourné avec nous qui venir avec cause jamais, on venir avec monsieur Jean-Joseph. Pour violation flagrante de constitution noire, nous déposer plainte là encore pour usurpation de titre. Nous allons avancer pour que nous. Commissaire, c'est une plainte que nous déposons, non seulement contre le conseil résidentiel là, et c'est une plainte que nous déposons contre le sieur Gary Kony. Nous te dit que nous autres, dans le cas de bataille pour nous changer pays. Nous t'ai toujours dit que ce n'est pas un dossier que nous autres, avocats, n'avons lâché. C'est pour l'une des raisons, la semaine d'hier, nous t'ai venu pour nous déposer plainte par devant le cabinet d'instruction pour conseil présidentiel là et pour premier ministre Gary Kony. Mais malheureusement, nous pas arrivé à déposer plainte là parce que nous t'ai dit qu'il y a un problème interne. Par la suite, dans l'après-midi, nous tout compte qui ça que tu as arrivé à mettre lui cher. Mais nous-mêmes, nous t'ai toujours dit, bataille pour changer le pays ça, bataille contre l'Occident, bataille contre oligarques corrompus, bataille contre politiciens. Nous disons, nous autres, nous ne pouvons pas lâcher la bataille. C'est pourquoi nous autres, malgré que l'État de santé nous va bon, nous faisons le devoir. Je dis encore, nous t'ai tourné par devant le cabinet d'instruction pour nous t'ai venu déposer plainte là. Heureusement, je recevoir plainte là non mais nous autres nous pouvons faire ça que la loi dit pour nous faire parce que yon pays il y a pas de société sans loi. Je dis yo c'est même moun sa yo qui dit que yo prêt pour yo aider Haïti, c'est même moun sa yo encore qui piétiner droit que nous autres nous gagnons. C'est pourquoi nous dit tout le monde qui n'entre en révolution. Nous voulons seulement garder avec nous des nègres qui pas conseil, des nègres qui pas besoin de pouvoir, des nègres qui pas garder des jobs politiques. Mais nous besoin nègres notre révolution, nègres qui prêts pour bataille, nègres qui prêts pour changer pays, nègres qui connaît que je dis Haïti pas qu'à descendre au plus bas. Gardez gens ba nous en sécurité planifiée. Je dis depuis on est sorti Matissan ou sorti Greffier, excusez-moi, sorti Badelma. Nègres dit c'est bandi yo frappé. Mais faute qui est, c'est faute Occident. Faute qui est, c'est faute oligarque. Faute qui est, c'est faute politicien véreux nous. Qui parle pays, mais qui est que pour vendre pays. Et nous lancé un message à les politiciens. Nous ne pouvons pas continuer à vendre pays d'Haïti en détail. Il est bon pour nous, mais il n'est pas bon pour le peuple haïtien. Parce que l'argent, c'est nos poches nous que nous aller. C'est pourquoi nous autres, nous ne peut plus déterminer, même au péril de notre vie. Et nous dit, ne pas qu'à tuer nous. Nègyo qui a fait toute tentative pour intimider nous. Nègyo qui a pris toute mesure pour essayer de faire mettre Lucien en peur. Si a fait mettre Lucien en courir. Mais mettre Lucien Jean-Joseph, pas abandonner la bataille. C'est un petit peuple haïtien. Restez ferme, bataille à continuer. Valentin, sur qui ça qui est en tête là? Et. Attention. Mais Michel, pour qui ça plaît que c'est pour Gary Kony nous déposer? C'est une plainte que nous déposons, non seulement contre conseil résidentiel là, et c'est une plainte que nous déposons contre le sieur Gary Kony. Plainte 1, nous déposons plainte là
pour violation flagrante de constitution noire. Nous déposons plainte là encore pour usurpation de titre. Oh, je dis en moi tout le monde a applaudi. Il a dit Gary Conille c'est un seigneur, Gary Conille c'est un dieu. Moi tout le monde a joué Gary Conille. Mais Gary Conille gagne parole pour faire nous dormir. Mais je dis c'est peuple haïtien qui doit passer en avant. Si premier ministre Gary Conille pas satisfait aucune exigence de constitution, il n'est pas éligible encore pour le premier ministre. Donc je dis, nous voyons que l'international continue à faire même mise sous pays de façon à ce que nous continuions à voler les ressources. Nous. Et très bientôt, dans tout document nous voyons, non seulement by l'ONU, by l'OEA et by Haute Cour de justice Kenya, nous avons une conférence de presse pour nous expliquer le contenu en détail. Très bien. Et M. Michel, ces policiers qui étaient tabassés, le fait que vous avez identifié quelques grenades, qui ça vous choisit faire avec vous après? On dit souvent la justice élève une nation. Si que nous fait bataille pays, nous ne croyons pas que, je dis, au monde qui t'a agressé, nous avons fait tentative d'assassinat sur nous, pour nous quitter comme ça. La justice a fait travail très bientôt, nous avons un qui sort, qui est réservé pour les policiers. Mais Michel, rappelez pour nous, est-ce que vous recevez la plainte là, la mère, et qui suit? Mais oui, vous recevez la plainte là. Vous recevez la plainte là. Très bientôt, il y a bien pour vous désigner un juge, mais ça c'est inventé là. Ça c'est inventé là. Très bientôt, il y a bien pour désigner un juge instructeur sous dossier, hein, pour instruire le dossier et puis pour le dossier a fait un bon nombre de chemin. Parce que l'île a le temps pour respecter les Haïtiens. L'île a le temps pour la communauté occidentale la connaît que Haïti n'est pas un petit misangado. Pas oublier que Haïti c'est un État membre OEA. Dans chaque OEA, article 21 a dit clairement aucun État n'a pas violé la souveraineté de l'autre État. Et si yon état a violé souveraineté ou intégrité territorial, yon état, c'est yon attaque contre tout l'autre état. Mais je dis, nous, c'est même moun sa yon encore, qui concocte avec la CARICOM, je dis là encore, pour yon pied continuer, piétiner nous autres haïtiens. C'est pourquoi, n'abdi yon ça. Je dis, pays yon de moun qui a pensé, pays yon de moun qui a réfléchi pays, pays yon de moun, je dis, qui voulait prendre responsabilité pays yon en main. C'est pourquoi nous disons que c'est une bataille de longue haleine, son bataille cap longue, son bataille cap mené en pile courage, son bataille cap mené en pile bravoure. Nous autres, nous disons, quelle que soit la tangente, Haïti n'a pas retiré le bagriffe occidental. Mais ça, c'est pour conseil président Lavette. Conseil président Premier ministre Kaïkoun. À tout notre cher, après ça, à tout. Nous autres, nous toujours disons, nous sommes esclaves de la loi. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Et nous toujours disons, la décette du droit est toujours provisoire. Nous autres, nous avons fait ça, la loi dit nous pour nous faire. Ça, la loi dit que nous. Et nous ne pouvons pas faire rien qui est en dehors de la loi. Et tôt ou tard, que vous soyez grand ou petit, là, la justice fait appel à vous. Il faut répondre avec question de la justice. Merci. Désir, mais je m'en ai dédoublé par rapport avec question ça. Entendez que il dépose c'est contre que, et, le sieur Gary Conille. Et contre conseil présidentiel, non? Est-ce que plainte ça après arriver une force de frappe li? Nous pas connaît. Parce que nous connaît en Haïti, bagarre là c'est des vinaigre plus gros non plus gros moyen passé ou mettre fait tout ce qu'on est vous fait là, il va pas dire rien. Est-ce que c'est pas après longtemps perdu que mettre Lucia le fait là? Nous pas connaît. Mais comme son droit que le gagne tout, et la justice a dû pencher, dû analyser calan pour bailler réponse avec ça, pour ça le déposer. Hein? Mais comme nous connaissons Haïti, son pays spécial, nous oblige à poser toute question ça pour nous connaître. Est-ce que l'action met le chef posé, je n'ai quitté mercredi 19 juin, est-ce que l'abjeune nous réponse avec lui? Est-ce que l'abjeune nous résultat avec lui? Honnêtement, désir n'a posé question, mon frère. Que nous prenons fini. Très bien. Bien important pour vous questionner. Et action que M. Luchet est intenté en justice contre le conseil présidentiel transition et contre Gary Conille. Il fait croire que c'est des usurpateurs qui pratiquement a utilisé des noms qui n'ont pas dû utiliser, des titres qui n'ont pas gagné. Tant que j'en dis, il y aurait ces voix plein temps qui t'avait permettre que, il choisi un juge qui pour instruire dans ça qui vient pour avec le dossier qui est soumettre là. Bon, en nous étant que la